Bonjour à tous, ici Cléa Sim. On se retrouve pour ce troisième épisode sur Europa Universalis 4 avec Milan. On s'était laissé dans le dernier épisode ben, pas mal de fails. D'ailleurs, j'avais dit que pendant l'inter-épisode, je fabriquais des revendications sur Gênes. Je ne l'ai pas fait, comme quoi c'était très bien. En tout cas, il va falloir renforcer nos alliés, renforcer nos armées, remonter la pente aussi parce qu'on a énormément d'emprunts dus aux différentes erreurs que j'ai faites. Donc bien sûr, il va falloir se remettre en état. Donc on va voir avec la Hongrie. Donc la Hongrie nous apprécie, ça c'est bon. La Savoie aussi. Qui a-t-on comme allié encore? Bah plus grand monde maintenant. Faut améliorer les relations avec l'Autriche. Qu'on arrive à avoir une alliance avec l'Autriche, ça serait très bien. Puisque là, on est vraiment dans la catastrophe la plus totale. On va pouvoir déjà rembourser un premier emprunt pour éviter les intérêts qui pourraient nous gêner. Et après, c'est jusqu'en 62. Donc là, déjà, on va devoir mettre à contribution dès qu'on le pourra. Ah non, on ne pourra pas mettre à contribution nos bourgeois, malheureusement. Donc il va falloir faire des guerres. En tout cas, être suffisamment prudent pour pouvoir faire nos guerres. Ah, ben, on gagne en stabilité. Donc on va gagner un peu plus en argent. Ça, c'est déjà pas mal aussi. 5,22, ça serait déjà très bien. En tout cas, il va falloir qu'on gagne en argent, ça c'est sûr. Qu'on gagne aussi en armée, parce que alors là, on est vraiment ridicule. Bon, pour l'instant, on n'a trahi aucun de nos alliés, c'est déjà ça. On aurait bientôt des points de faveur de la part de la Savoie, pareil de la part de la Hongrie, ce qui veut dire qu'on pourrait presque déclarer une guerre à l'Autriche, enfin à la Suisse, pardon, pour augmenter notre démonstration de force et augmenter notre prestige, ce qui serait pas mal, peut-être récupérer de l'argent aussi, ce qui serait loin d'être une mauvaise idée. Et on n'est pas si loin non plus d'avoir les technologies qui approchent. Puisque ça va commencer à progresser. Alors le Milanais déjà adopté la Renaissance, ça c'est très bien, mais ça nous coûte trop cher pour l'instant. Donc limite, on va laisser se faire. Nous, on a des emprunts à rembourser. Et oui, on va voir si on déclare la guerre à la Suisse, qui viendrait personne. Et il prendrait Memmingen, ok. Donc là, pour l'instant, on n'est pas bien. En tout cas, on n'est pas suffisamment bien pour pouvoir faire quoi que ce soit. La Bourgogne a toujours des problèmes de succession. Tiens, le Grenade a été annexé en partie par Aragon et non par la Castille. Et l'indépendance de la Castille est soutenue par le Portugal. Naples ne souhaite pas se rebeller apparemment. Pourquoi pas? Ou Naples est indépendant? Non, non, Naples est en union personnelle. Hein. Donc d'ailleurs, on va rembourser le premier emprunt. Et il nous faut encore 60 pièces pour le coup. Avant 65. On a un peu de temps. Nos emprunts redescendent. On en a quand même pas mal. Et on va pouvoir peut-être passer. Est-ce qu'on passerait les technologies? Alors, je suis un peu embêté de passer les technologies, très sincèrement. Parce que voilà, les idées sont quasiment toutes adoptées. Normalement, on devrait pouvoir l'adopter pour quasiment pas d'argent. Ce qui serait pas mal. Oui, on devrait être même très bien, je pense. Ça devrait pas être le plus compliqué. Si on pouvait éviter de. Si on pouvait économiser de l'argent. Alors. D'accord, perte de stabilité, puisqu'on a eu un mort. Alors normalement on a un héritier. Azzone Visconti qui vient de naître. Mais on pourrait créer la République Ambrosienne. À la mort soudaine du duc, sans héritier adulte bien établi. La cité de Milan fut plongée dans la confusion. Des citoyens influents pensèrent alors que l'ancienne république pouvait être restaurée. Des cordes d'intellectuels, telles que l'université de droit de Pavie, décrivaient l'époque de l'ancienne république comme un âge d'or. Les marchands, vieux de la prospérité de la république vénitienne, soutenaient l'idée. Alors que les prétendants au trône étaient expulsés de la cité, la république fut proclamée sous nom de République Ambrosienne, en hommage au saint patron de Milan, l'évêque d'Ambroise, qui avait vécu au 4e siècle. Que devons-nous faire?
Soit on se met pour Saint-Ambroise, dans ces cas-là, on a Ferrare et la Savoie qui nous apprécieraient pas. Soit on a besoin d'un nouveau duc, on perd trop en stabilité, non c'est beaucoup trop, on peut pas se permettre de perdre en stabilité là maintenant. On va prendre la République Ambrosienne, tant pis. Et on va prendre peut-être pour l'instant le candidat. Quelle serait la prochaine idée que l'on pourrait débloquer qui nous serait intéressante immédiatement? Je pense que la doctrine novatrice serait pas mal en termes de coûts, de conseillers, etc. Pour l'assitude de guerre, autre. Mais comme on voudrait être aussi offensif, je pense qu'une doctrine offensive avec les chocs de commandement, etc., pourrait être pas mal. Je pense qu'on va partir sur un militaire. Malheureusement, bon bah on a perdu. Quel ordre est pas content? Mais les bourgeois. Mais oui, mais j'ai rien à lui donner aux bourgeois. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait leur donner aux bourgeois qui serait intéressant? Ils veulent combien? Là, on serait un peu mieux, je pense. On est pas mal, on est pas mal. Ok. Donc, on va passer. Alors, malheureusement, on n'aura plus de mariage royal avec la Savoie. Pour le coup, on a une alliance avec eux, mais bon. Va falloir faire un peu attention à nos alliances. On va essayer de partir là-dessus jusqu'à créer le royaume d'Italie. Alors, je crois pas qu'il y ait. Non, non, on peut former la nation italienne, il n'y a pas de problème là-dessus. Ok, bon, ça serait pas mal ça. Mais il faudrait déjà que ceci augmente. Ce qui serait très bien, c'est pas avant 67. Donc on aurait 3 ans, bon, on a au moins ce temps-là pas mal. Alors, Hermès Ghisleri, incompétent en administration. Ok, d'accord. Et nous, on va prendre de la corruption, ce qui est vraiment pas le moment d'en prendre. Donc tout va bien. Oh, il y a des jours comme ça. Bon, on gagne en stabilité, c'est déjà pas mal. On va faire revenir de Savoie temporairement. Est-ce qu'on peut constituer un réseau d'espionnage sur la Suisse, sur le Venise pour récupérer par exemple Vérone et Brescia, ce serait très bien. Parce qu'on a comme mission hein, quand même de récupérer. Et là, si je fais la guerre, personne ne viendrait. Hein. Ok, oui, il y a vraiment un manque de points énorme. Mais on y est pas mal, hein. Il nous faudra encore un an et on serait dans les clous. Bon, on a déjà remboursé un premier emprunt. Ok, on perd en plus de la puissance administrative, mais c'est génial, quoi. Je crois qu'on va pas y arriver de sitôt. Enfin, on va y arriver, si, mais ça prendra plus de temps peut-être que prévu. Ça, c'est certain. Je pense que je vais attaquer la Suisse, parce qu'il y a des petits alliés, donc c'est pas trop gênant, mais il faut attendre le mois de janvier. Et théoriquement, à partir de là, si je déclare la guerre ici, tu me dois pas 10 points, et tu me dois pas 10 points. Quand est-ce que vous me devez mes points? Là, ils sont 9 points, et on aurait quand le prochain point? Et 8 points pour la Hongrie. Pourquoi on a perdu des points? On était à 9 tout à l'heure. Ok, on peut adopter. Est-ce qu'on en a vraiment besoin?
On va attendre un petit peu. Ça nous coûtera normalement le même prix, je crois. Je crois que le prix a l'air peut-être de baisser un petit peu. Faites voir. Non, ça augmente même parce qu'en fait, comme on a l'autonomie qui descend. Ok, c'est bon à savoir. Mais moi, j'aimerais rembourser mes emprunts d'abord. Refaire une armée ensuite. Donc, ça va patienter tranquillement. Tant qu'en plus nos points ne sont pas au maximum, on a un peu de temps devant nous. Hein. Alors c'est vrai que j'avais pas joué encore de nation marchande. Alors les traditions républicaines, je les connais un petit peu. Faut des élections, etc. Soit on prolonge la personne et elle gagne des points. C'est-à-dire que là, par exemple, elle passerait en 2-2-5, je crois. Soit on continue de garder. En fait, c'est en fonction un petit peu de des traditions autour. Normalement, on devrait aussi, avec le temps, ne plus faire partie de l'Empire. Pour l'instant, on en fait partie, donc on pourrait tout à fait attaquer la Suisse sans problème. Ça, c'est plutôt pas mal. Allez, 2 emprunts de remboursés, bah oui, pas le choix. Donc là, est-ce qu'à partir de là, on pourrait déclarer la guerre? La Savoie serait partante. C'est déjà ça. Et la Hongrie. Donc ça, on met. Et la Hongrie est à combien? 8. On va déclarer la guerre comme ça. Alors certes, ça va nous coûter un peu d'argent. Moi, il va falloir que je vire mes armées, mais tout va bien. Donc mes armées vont pouvoir progresser. On va gagner un peu de ducats, oui. Parce que je veux rembourser mes emprunts. À 68, ça fait mal ça. Après la Savoie est au niveau 5 et nous on est encore au niveau 4. En termes d'armée, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Est-ce que nos alliés attacheraient leurs armées aux nôtres? Hein. Ok, fin de plusieurs trêves. Très bien. De ce côté-ci, on pourrait partir là-dessus. On va aussi partir sur un impôt de guerre pour que ça nous coûte un peu moins cher. Je pense que ça pourrait être pas mal. On n'est pas encore en capacité, pardon, de demander quoi que ce soit pour l'instant. Tout va bien. On va essayer d'aider nos alliés, même si c'est que temporaire et que la capitale va tomber. Cardinal, ministre, puissance des missionnaires, influence papale, tolérance de la vraie foi, prendre le prestige plutôt. Est-ce qu'on pourrait pas avoir un commandant qui soit un peu valable pour aider au siège? Et on va voir si la capitale adverse tombe avant la nôtre. De toute façon, on n'est plus à ça près. Là, je vais fabriquer sur Vérone. Ce sera très bien. Le casus belli sera parfait. Ah, ok. Nous, on n'arrive pas à faire tomber. Dommage. On cumule un petit peu, j'ai l'impression. Ok, donc normalement, on a tout. D'accord. Ça nous coûte qu'une pièce. Ça me va très bien pour adopter. La Renaissance, et on va pouvoir passer toutes les réformes nécessaires. Et on avait dit de passer une réforme plutôt militaire. Pour le coup, on va passer sur de l'offensif. Je
pense que ça sera pas mal. Et à passer sur les Galoglay. Galoglay. Alors, on m'avait expliqué, enfin, j'avais cru comprendre que ça s'appelait autrement. Mais je suis bien incapable de redonner le nom exact de tout ça. Bon, je vais plus avoir d'argent. Tout va bien. Berne a été prise. Ça me va. En fait, je voudrais passer par ici. Merci. Ah, d'accord. Je suis obligé de prendre la ville pour pouvoir. Bon, on va le faire revenir. On va améliorer les relations avec l'empereur. On va pouvoir prendre notre capitale normalement assez rapidement, enfin j'espère, et essayer d'écraser les armées adverses avec l'aide de la Savoie. Ça serait pas mal. Et ça tombe en 30 jours, ok. Alors soit on le garde, on perd en tradition républicaine, mais il gagne un de chaque. On va partir comme ça. Et on changera peut-être par la suite. Faudrait qu'on arrive à attraper les armées adverses. Ok. Bien, déjà, on va pouvoir récupérer nos provinces et on va s'attaquer à eux. Ok, victoire militaire, ça c'est très bien. Bon, bah là, on va faire revenir. On va devoir chercher d'autres alliés, j'ai bien peur. On a une lassitude de guerre qui est trop haute. Tout va bien. Elle est normale notre lassitude de guerre. Et on repère en stabilité. Mais c'est pas possible ça. Mariage royal avec. Ah si, on peut quand même faire des mariages royaux. Ah bah c'est pas mal ça. Et on va faire un appel aux armes de la Hongrie. Et on a quand même une reine dans ces cas-là. Et on a plus de nobles, pas plus de, pas des nobles, de. Nous n'avons plus du tout de. Ok. Une fille aussi talentueuse qu'ambitieuse. Le manque d'héritière inquiète autant que la. D'accord. 4, 4, 5. Ben, va pour ça, hein, pour le coup. Alors, par contre, j'ai pas compris. Comment se fait-il qu'on soit. On a un seigneur, mais en soi. On est repassé en légitimité. J'ai pas tout saisi en fait. Il y a un truc que j'ai pas trop saisi là, mais Ok, on va aider nos alliés, mais c'est pas très grave, on va se débrouiller. Ah, il faut qu'on récupère au moins notre province. Ici, on devrait être pas mal. Si on enlève mes Mingguen aussi, on sera plutôt bien. En fait, ils ont accepté les mariages royaux, donc on n'est plus en république, on est repassé en duché. Bon. Ça a été assez rapide la période de la République, mais on accepte de perdre de l'argent temporairement. On a perdu un peu de prestige aussi. Donc on a une régence de la part de la reine, on perd en stabilité, tout va bien. On n'est plus à ça près, hein, sincèrement.
Moi, je suis en pleine forme. La partie, je sais pas. Et là, on n'a plus que les nobles maintenant. C'est pas grave, on devrait pouvoir se débrouiller, je pense. On y arrivera à un moment ou à un autre. Allez, on va essayer de finir cette guerre. Pour l'instant, est-ce que la Hongrie, j'espère qu'elle n'a pas de double guerre. Non, ça serait très, très mal vu pour l'instant. Ça serait bien que Memmingen, voilà, Memmingen est tombé. Donc on va leur demander des réparations de guerre, ça c'est sûr. Tout leur argent, ça c'est certain aussi. On n'en récupérera pas forcément beaucoup de notre côté, mais le peu qu'on va récupérer déjà, ça sera pas mal. Ok, fin du siège et on va pouvoir se rendre. Allez, on va aider la Savoie. Enfin, j'espère que la Savoie va pouvoir venir nous aider. Ok. Victoire. Et apparemment, guerre entre Gênes et... Oh, ça veut dire que l'empereur va être en guerre aussi là-dedans. C'est ça, guerre entre... Gênes et... donc la Castille, Aragon et Naples. Donc là, ça va faire une sacrée guerre pour le coup. Et donc la Hongrie aussi. La Hongrie est en guerre également. Ok. Donc c'est toujours bon à savoir ce genre de choses. Par contre, on va les détacher pour pas qu'ils restent sur mes troupes. Alors déjà, ce qu'on veut obtenir ici, bon, c'est abandon sur mon territoire, ça c'est sûr. L'humiliation, ça c'est certain. Les réparations de guerre, bien évidemment. Tout l'argent, nous on ne peut pas récupérer plus, donc ah d'accord, peut-être pas tout l'argent, mais on va baisser dans ces cas-là 100. Très bien. Donc victoire, et on va gagner donc la projection, ce qui va m'aider beaucoup pour me remettre en état. Va falloir remettre nos armées d'ailleurs sur Mantoue temporairement. On a une grosse lassitude de guerre, très bien, va falloir attendre qu'elle diminue, donc accepter des guerres va être compliqué pour nous dans un premier temps. En tout cas, bon, moi j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à commenter, partager la vidéo, venir vous abonner à la chaîne ou à mon Twitter pour suivre l'actualité de la chaîne. Et on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!